Allez, salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo Shein, en tout cas Shein principalement. Je suis désolée, je suis un tout petit peu malade encore, mais ça va beaucoup mieux, mais j'ai encore une voix un petit peu cassée, j'en suis désolée, j'espère que ça ne vous saoulera pas pendant toute cette vidéo. En tout cas, aujourd'hui, il va falloir qu'on dise les choses. Oui, alors j'ai fait pas mal de vidéos Shein l'année dernière, enfin pas mal. Quelques-unes, que ce soit avec des copines ou avec Luna ou avec la maman de Luna, avec pas mal de petites personnes à chaque fois, je proposais une sélection d'articles qui pouvaient convenir que ce soit à moi ou à des adolescentes, etc. pour que vous ayez un panel de choix sur Shein. Et je vous avoue que j'ai beaucoup réfléchi à faire cette vidéo parce que j'ai souvent été déçue par les articles Shein. Il s'avère que parfois j'ai des coups de cœur pour certains pulls ou certaines petites collections, ou voilà, il y a des choses quand même qui sont top. Mais je sais qu'il y a eu beaucoup de polémiques autour de Shein par rapport à la fast fashion et la qualité des vêtements, et que ce soit aussi fabriqué en Shein et que du coup il y ait une sorte d'exploitation là-bas. Enfin bref, je ne connais pas tous les détails de tout ça. Je sais qu'il y a eu un reportage sur M6 que j'ai regardé, mais j'ai pas trouvé non plus que ça faisait des révélations de dingue. Donc je ne sais pas quoi vraiment y penser. J'ai juste envie pour 2023 de faire attention un peu plus à ma consommation. Alors là, il s'avère que c'est une collaboration Shein et du coup je ne paye pas les vêtements que je choisis. Et ça, je vais pas à vous mentir, c'est un sacré avantage, hein. Je ne suis pas payée pour en parler, mais juste je reçois les produits gratuitement. Et du coup ça donne envie, vous n'allez pas me dire le contraire, ça donne envie parfois de tester et de se faire un avis. Dans certaines vidéos, j'ai été conquise, dans d'autres vidéos, j'étais moins conquise. Il y a des choses que je mets souvent sur moi au niveau vêtements de chez Shein, et il y a d'autres choses où je les donne. Et je sais que mes copines ou les adolescentes à qui ont fait des commandes Shein, bah ce sont des vêtements qu'elles adorent, qu'elles aiment porter dans leur quotidien, et ça reste, je pense, des vêtements qui restent de la fast fashion, et du coup, au bout de 6 mois, paf, on passe à autre chose et on en commande d'autres parce que ça va plus, parce que on a d'autres envies. Et c'est l'avantage de ce site là. Honnêtement, je ne sais pas quoi penser comme je l'ai dit, mais j'ai quand même décidé de faire une dernière sélection. C'était juste, c'était avant Noël, hein, évidemment. Une dernière sélection, et j'ai pris quelques vêtements pour moi. J'ai demandé à Sarah, ma copine Sarah, qui a très très bon goût sur Shein, elle trouve toujours des pièces de dingue. Je lui ai demandé de choisir quelques articles pour moi aussi, comme ça je me suis dit, bah au moins si moi j'ai pas d'inspiration, peut-être qu'elle, elle trouvera des petites choses sympas pour moi. Et j'ai choisi des petites choses pour mes enfants. Parce qu'il s'avère que dans les vêtements que j'avais commandés pour mes enfants, certains étaient de très bonne qualité, d'autres moins, et certains ensembles que j'avais achetés pour ma fille étaient plutôt sympas. Donc, et elle les met d'ailleurs encore aujourd'hui. Donc, je me suis dit, je vais retenter pour voir les enfants. Donc, cette vidéo sera en plusieurs parties. Il y aura un petit colis Shein avec de la beauté. Après, le reste, ce sera des vêtements pour moi. Et à la fin de la vidéo, de toute façon, je vous mettrai dans la barre d'infos un petit timer. À la fin de la vidéo, il y a la partie enfant. Comme ça, si ça ne vous intéresse pas, bah, vous n'êtes pas obligé de regarder jusqu'au bout. Mais dès maintenant, dites-moi votre soutien. Si vous aimez ce genre de vidéo, si vous trouvez que ça vaut le coup encore d'en avoir en 2023, mettez-moi un petit pouce en l'air. Si en revanche, vous ne validez pas, vous trouvez que c'est pas le genre de vidéo que vous voulez voir en 2023, que c'est plus ce qui vous plaît, vous mettez un pouce en bas, je ne comprendrai, je ne me vexerai pas du tout. J'ai juste besoin d'avoir vos retours en commentaire pour savoir le pourquoi du comment. Si vous êtes plutôt Team Shein, à continuer à commander dessus de temps en temps parce qu'il y a quand même des petites choses qui sont sympas, ou est-ce que vous êtes en mode je bannis ce site. Moi, je vous avoue que je suis entre deux. Donc je vais voir aujourd'hui, peut-être que ça sera la décision finale, puisque les vêtements qui vont arriver, est-ce qu'il y aura des choses qui vont être des coups de cœur ou pas, et ben ça va peut-être me conforter d'un côté ou de l'autre. Donc là je suis en mode expérience, j'ai envie de continuer cette collab, mais en même temps je suis parfois déçue de ce que je reçois, donc on fera le bilan à la fin. On commence par déjà le premier truc qui me faisait vraiment envie, et quand je l'ai reçu, je l'ai trouvé plutôt canon, donc c'était bien enveloppé dans des protections et tout, vraiment. C'est un coffret comme ça, Shiglam, qui est juste canon. Vous voyez d'ailleurs rien qu'au coffret là, il est vraiment très très beau, un peu style vintage à l'ancienne. Il y a écrit donc Shiglam, ça s'ouvre comme un tiroir comme ça. Et vous avez toute une collection à l'intérieur qui s'appelle Enchanted Deco Dance. Vraiment, je la trouve magnifique. Je ne pensais même pas que ça allait être aussi beau en vrai, je vous promets. À l'intérieur, il y a
Alors, qu'est-ce qu'on a? 2, 4, 5 rouges à lèvres gloss. En tout cas, un lot de 5 produits pour les lèvres avec des couleurs assez variées. Une palette et deux espèces de poudres lumineuses. Alors, je sais pas si c'est des poudres. Les petits pots comme ça, ça a l'air d'être des sortes de glitter, un peu de jelly glitter. Hein. Alors, gel pailleté. Ouais, alors ça aurait été bien pour les fêtes, hein, je vous avoue, comme j'étais malade, j'ai pas du tout pu me maquiller comme je voulais, je voulais faire des réels et tout sur Instagram avec des make-up un peu sympas, mais j'ai rien fait du tout. A few moments later. Bon, j'essaie de l'ouvrir depuis tout à l'heure, mais honnêtement c'est une galère, donc je vous inclurai une petite vidéo avec les swatchs pour que vous voyez un petit peu les couleurs de ces espèces de gel glitter, mais en tout cas... Ils ont l'air comme ça, très très beau. Il y a un rouge et il y a un argenté qui, ma foi, a l'air sympa. La petite palette. Alors, à l'intérieur du coffret, vous avez un petit sambon comme ça que je vais glisser dans ma voiture. Ça, j'aime bien quand ils mettent des petits cadeaux comme ça pour ma voiture. La petite palette est trop trop belle et vous avez une sorte de comment ça s'appelle, dentelle, en fait, dessus comme ça, quand vous touchez, vous la sentez. Et j'aime beaucoup l'harmonie, c'est une très très jolie harmonie comme ça, avec un peu de vert, un peu de doré, légèrement du rosé, du noir, enfin des basiques. J'aime beaucoup, l'harmonie elle me plaît beaucoup. Et on n'a pas de miroir, de l'autre côté on a le fameux, entre guillemets, château un peu enchanté comme ça, Enchanted Deco Dance. Ouais, mais je la trouve assez belle, je sais pas ce que vous allez en penser, mais ils ont fait une jolie collection comme ça. Et les rouges à lèvres gloss, bah, je vous montrerai aussi une petite vidéo avec les swatchs. On a un rouge métallisé qui est très très beau. Les embouts sont assez gros. On a du mat aussi, du brillant. Bah écoutez, j'aime beaucoup. C'est une jolie collection. C'est un très beau coffret. Alors, ma petite Sarah m'a choisi des choses. Moi aussi, j'avais choisi des choses. Je ne sais plus qui a choisi quoi, je vous avoue. On va redécouvrir ensemble. Moi, quasiment tous les vêtements que j'ai pris pour moi sont du 2XL. Donc, ah oui, ça, je crois que c'est elle qui a choisi. Oh, c'est vrai que c'est joli. Elle a vraiment bon goût, Sarah. Évidemment, elle l'a choisi pour moi. Donc, j'essaierai de faire des looks avec. De vous poster soit sur Instagram, soit vous inclure ça dans la vidéo si j'ai le temps. Parce que malheureusement, je vais reprendre le travail et j'aurai pas beaucoup de temps. Mais elle m'a choisi un petit haut comme ça, avec des petits froufrous au niveau des épaules. Vous savez, c'est le genre de petit haut un tout petit peu montant au niveau du cou là, et que vous pouvez mettre dans un pantalon avec une petite veste ou... Bah écoutez, la matière est assez synthétique, mais elle a l'air quand même très très sympa. J'aime beaucoup en tout cas le rendu comme ça au niveau des mains, ça me plaît bien. On a un espèce de pull blanc, toujours en 2XL, assez moutmout. Alors j'espère qu'il est... ouais, c'est un pull style, pull en laine comme ça. Alors, je ne sais plus si c'est Sarah ou si c'est moi qui a choisi ça. En tout cas, il a l'air bien grand. Il est assez long. J'aime beaucoup ce style un peu de pull tricot. Alors, je sais que ça revient un peu à la mode. Mais moi, j'aime bien. Et si ça ne me plaît pas, ça plaira à ma maman. Donc, dans tous les cas, je le donnerai à ma maman. Mais je le trouve plutôt sympa. En plus, il est assez épais, assez quali. Ouais, plutôt pas mal du tout. On tente le jean. Alors, moi, j'aime beaucoup les jeans fines, mais... Au niveau du durée de vie, ça équivaut à Kiabi, c'est-à-dire pas très grande durée de vie. Hein. Je vous avoue que on peut pas comparer par exemple Kiabi, Shein et Grande Malice qui est une qualité mille fois mieux. Donc là, j'en ai pris un bleu, ou c'est moi ou c'est Sarah, je pense que c'est moi qui ai pris un jean. Un bleu, écoutez, il est assez basique, resserré en bas. Moi, le problème avec les jeans Shein, c'est qu'ils sont souvent très courts. Je suis obligée de les mettre soit avec des petites chaussures ouvertes quand il fait beau, en printemps, au printemps, ou les mettre avec des bottes qui montent, parce que malheureusement, sinon, je vais à la pêche au moule. Donc là, écoutez, on va essayer celui-là, mais j'ai bon espoir. J'espère que ça ira au niveau du bas, que ça sera pas trop court. On a l'air d'avoir une petite veste noire comme ça. Je ne sais plus. Où est-ce que c'est? Non, c'est peut-être pas une veste. Qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est une sorte de petite veste un peu blazer. D'ailleurs, pour aller avec le petit haut gris, là, peut-être que c'est un ensemble que Sarah avait peut-être prévu dans sa tête. Je lui demanderai. Mais en tout cas, ouais, la veste, elle est très sympa. Un peu style veste classe, un peu blazer, mais qui n'a pas... qui a des boutons décoratifs, hein, mais qui ne se ferme pas. Ouais, j'aime bien ça. C'est sympa. La matière, ça va, c'est du synthétique, mais ça va pour une petite veste comme ça qu'on va mettre histoire d'agrémenter une tenue, ça peut être sympa. Alors, je vois un pull, je sais pas si c'est rose ou rouge. C'est quelle couleur? C'est un rose ou c'est rouge, ça? Vous, à la caméra, on dirait peut-être un rouge, et ici, on dirait un rose. Ah oui, c'est peut-être un rouge de Noël, bah, ça, je m'en rappelais plus, vous voyez, avec écrit Mary. Je m'en rappelais plus, il est un peu court, hein.
Je le trouve un petit peu court, mais ma foi, il peut être pas mal. Du coup, il servira pour l'année prochaine, hein, si c'est pas maintenant. Je vais en avoir plein de pulls de Noël, là, ça va être... Et voilà, Mary, c'est pas mal. Mary, ça reste sobre. C'est un col en V comme ça, donc c'est pas ce que je préfère, mais c'est pas mal. La qualité, en revanche, est pas mal du tout au niveau du toucher. C'est de la laine, c'est hyper doux, c'est très agréable. Du vert, on a quoi? Alors, en vert, une petite veste, un petit haut, une petite robe, qu'est-ce que c'est donc? Alors, ah oui, c'est une sorte de petit haut péplum un petit peu, vous savez, resserré au niveau de la poitrine et un peu plus large en dessous de la poitrine, un peu effet cache-cœur comme ça. Alors, j'espère que ça ira parce que ça a l'air d'être pour une grosse poitrine. Et ce qui n'est pas du tout mon cas. Et on a une petite ceinture à mettre du coup en dessous de la poitrine. Ça avec un pantalon noir, ça peut être très 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 beau. Ça j'ai hâte de tester, je pense que c'est Sarah qui l'a sélectionné. Et il est plutôt joli. On a un pull bordeaux. Il est pas mal du tout. Bah, et dis donc, comme par hasard, quand j'hésite à continuer ces vidéos, j'ai des produits qui sont canons. Donc toujours col V. Alors c'est peut-être parce que c'est Sarah, encore une fois, je suis désolée de vous casser les pieds avec Sarah. Mais je sais qu'elle a très très bon goût. Et regardez les manches. Elles sont resserrées un petit peu bouffantes avec un petit effet comme ça de laine ajourée. Donc c'est légèrement transparent à l'intérieur mais ça donne tout le style au pull quoi. J'adore, il est vraiment très beau, en plus très long et tout, toujours très agréable. Très large aussi, donc vraiment pas mal. Ah, on a un autre pantalon tiens. Mais je ne me rappelais pas d'avoir choisi un deuxième. Et c'est un pantalon noir mais alors pas du tout une matière que j'ai l'habitude de voir sur Shein. C'est vraiment, d'ailleurs pour une fois c'est un vrai noir et ça j'apprécie. Il est pas mal, en fait c'est une matière, c'est pas du tout style jean, c'est vraiment une matière fluide, toute douce, toute légère. Alors vous allez pas, mettez pas ça pour aller au ski quoi parce que c'est pas très très chaud, hein. C'est plutôt pour le printemps, mais pour une fois c'est un vrai noir. Donc ça c'est pas mal parce qu'à chaque fois, à Kiabi par exemple, j'ai acheté un pantalon noir, il s'avère que c'est un gris un peu, vous allez le voir dans les essayages, hein. Mais il est pas dingue. Écoutez, celui-ci en tout cas au niveau de la matière, il a l'air extensible, il a l'air pas mal du tout, mais juste attendez-vous pas à un jean, ce n'est pas du tout une matière jean, c'est vraiment une sorte d'élastane quoi, je sais pas comment ça s'appelle, mais quelque chose d'élastique, très léger, plutôt pantalon printanier. J'avais choisi un pyjama un peu style Noël, mais sans être trop Noël. C'est un haut comme ceci, avec la petite poche qui rappelle le fameux tartan de Noël, vous voyez, hop. Et le pantalon, hein, qui est assez large d'ailleurs. Alors j'ai pris 3XL pour être large, pour pouvoir passer au sèche-linge mes pyjamas, parce que je vous avoue que les pyjamas, moi ça me dérange pas de les passer au sèche-linge, donc j'ai pris plus grand. Et je suis contente, alors j'espère que ça sera pas trop trop grand. Mais le motif est trop bien, donc voilà, ça rappelle Noël, mais ça on peut le mettre à un autre moment aussi dans l'année, hein. En hiver ça marche aussi. Et le haut est plutôt pas mal, juste ils sont pas assez longs je trouve les t-shirts, je trouve pas long quoi. Mais il est beau, c'est un bel ensemble, vraiment très contente. On a un autre pull bordeaux, ah ça c'est un beau bordeaux rouge là, j'aime trop. Et là j'ai des pulls pour tout l'hiver, je suis trop contente. Avec un col comme ça qui remonte bien, parce que moi je suis une grosse frileuse. Des motifs toujours en mode... Je sais pas si ça plaira à Sarah ça. Sarah elle commentera cette vidéo. Vous aurez tous ses avis quelque part dans la vidéo ou en dessous la vidéo. Les motifs comme ça un peu voilà plus d'hiver, plus à l'ancienne. Moi je trouve ça trop kiffant vraiment. Et alors là il a une particularité, je sais pas si vous verrez. Au niveau en dessous de la poitrine, et ben, il part un petit peu évasé là. Et ça change de forme et il n'y a plus de motif en bas. Ben écoutez, à voir ce que ça donne sur moi. Mais comme ça, j'aime bien. Et alors, en bas, il est un peu... vous voyez, il n'est pas tout droit. C'est pas mal ça. Ça donne un style. Hein. Ouais, j'aime bien. Ben, écoutez, à voir sur moi hein, ce que ça va donner. Mais comme ça, j'aime bien. Un petit pull rose. Et là, je suis contente. Aujourd'hui d'ailleurs, j'avais mis du rose. En mode rose là aujourd'hui, mais alors il m'a l'air pas très très épais hein. Mais il est très beau, il est très 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 beau. Regardez ce rose pâle, trop beau, j'aime trop la couleur. C'est un rose un peu violine je trouve, un peu froid, et il y a plein de petites perles dessus tout le devant hein, vraiment jusqu'en bas. J'espère juste qu'il va m'aller parce qu'il m'a l'air pas très très long. Ouais, il m'a pas l'air très 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 long, il est très léger, c'est plus un pull printanier hein, où vous mettez un truc en dessous pour pas avoir trop froid, mais la qualité est très très bien du pull, vraiment, voilà, c'est juste qu'il est pas très très épais par rapport aux autres que j'ai vu tout à l'heure, mais
Il est pas mal. Et le dernier qui est pour moi, c'est un petit haut. Et d'ailleurs, je me dis, mais comment j'ai choisi ça? Pourquoi j'ai choisi ça? Alors voilà, quand moi je choisis des trucs, ça ressemble jamais à rien. C'est ça mon problème sur Shein. C'est qu'il y a tellement un vaste choix de produits que parfois on s'y perd. Et en plus de ça, on peut pas toucher les matières, on peut pas se rendre vraiment compte. Donc à chaque fois, moi je suis nulle à ça. J'ai choisi ce petit haut avec un col comme ça, une sorte de col... de chemise quoi, un effet noir, vous savez c'est un peu le truc en synthétique noir comme ça, ça c'est pas terrible cette matière, et en bas l'effet chemise qui ressort, hein. Mais évidemment c'est pas un vrai chemise pull, hein. C'est vraiment pour faire cet effet chemise pull mais un faux quoi, et vous avez pas au niveau des manches non plus l'effet qui ressort, c'est vraiment en bas et en haut. Alors je sais pas du tout ce que ça va donner, comme ça je suis pas fan de la matière, je trouve que c'est un peu... Voilà, bof. Je l'avais pris aussi pour les périodes de Noël avec cet effet tartan. Mais là, comme ça, je suis pas hyper conquise par le rendu. À voir sur moi. Alors ça, c'était toute la sélection qui était pour moi. Donc il y a pas mal de belles pièces. Je suis assez épatée par tout ce que j'ai reçu pour moi. Et j'ai commandé deux petits articles pour ma copine Mélanie, Meloana ou HappyTogether17 sur Instagram, si vous la connaissez déjà. Il y avait deux petites choses qu'elle voulait. Alors, elle m'avait envoyé une liste de plusieurs choses. Mais du coup, la marque m'a envoyé que deux petites choses pour elle. Elle a choisi un petit haut. Une sorte... Alors elle, c'est du taille M, rien à voir avec moi. Un petit haut comme ça. Alors il y a... Je pourrais pas... J'essaierai de vous retrouver la photo, hein, de vous la mettre là, mais il y a d'abord un petit haut manche courte comme ça, et après vous mettez par-dessus une sorte de pull, avec, vous voyez comme ça, avoir l'épaule les épaules dénudées, enfin bref, c'est très joli hein, comme matière. Ça ressemble un petit peu à la matière de mon premier haut, là, que vous avez vu tout à l'heure. C'est une matière très très agréable, et ça sera sûrement son style, hein. C'est pas le mien, mais c'est le sien, donc vous aurez vu la photo, et vous le reverrez sûrement sur sa chaîne ou sur son Insta. Et elle voulait une paire de chaussures pour son mariage, alors ne soyez pas choqués, elle voulait ça sous sa robe de mariée, elle fait ce qu'elle veut, et elle a choisi, après je pense qu'elle les voulait aussi pour elle, hein. Mais elle a choisi comme ça une paire de baskets un peu semelles compensées. Alors c'est pas du tout pareil mon style de chaussures. J'espère que ça lui ira la taille, hein. J'ai pris logiquement sa taille. Elles sont quand même très très bien, blanches comme ça, très très belles, aucun défaut. Elles sont assez légères. Donc voilà, pour celles que ça intéresse, ce style de chaussures, vous en trouvez sur Shein. Elles sont pas données dans les prix, mais elles sont plutôt quali. Ouais. Donc elle voulait je crois les faire customiser et les mettre à son mariage. On verra, j'ai hâte de voir le résultat du coup. Mais ça c'est pour ma petite Mélanie. On va pouvoir passer au côté enfant. Et pareil, j'ai pas mal de choses à vous montrer. Donc je vais essayer de vous montrer le résultat en vrai, en vidéo, avec mes enfants qui essaient. Mais j'ai pris une robe pull pour ma fille et je la trouvais trop trop belle. Elle est assez simple, hein, blanche comme ça, un peu pull en laine. Des petits motifs sur les bras. Et elle est super longue et ouais, elle est très très jolie, donc ça avec un collant gris, ça va passer. J'ai pris du 10 ans, mais parce que ma fille elle reste grande et je voulais pas que la robe lui arrive en dessous des fesses. Ça reste pour l'hiver, je voulais que ça soit assez grand. Est-ce que ça va pas être trop grand? On verra. On va lui essayer et au pire ça servira l'année prochaine, c'est pas perdu, hein, ça c'est des vêtements qui vont lui aller après. Pour mon deuxième, mais ça correspondrait plus à mon dernier, hein, je vous avoue que j'ai pris un peu la taille au pif là, je ne sais plus quelle taille c'est, mais... On a un petit ensemble bonnet-gants, donc là on a des petits gants noirs. Le petit bonnet il est trop mignon, regardez, avec les deux petits pompons comme ça. Et c'est vrai que ça aurait été peut-être plus pour Kezia que pour Oran. Et le petit cache-cou, un petit cache-cou comme ça en mode laine là. Et à l'intérieur c'est tout doux en mode moumoute. Ouais, je le trouve trop canon, ce petit ensemble est vraiment pas mal. Hein. Même en idée cadeau pour offrir à un nouveau-né ou à quelqu'un qui a votre filleul ou quelque chose comme ça, ils sont très qualis. En plus, vous avez les gants, vraiment le trio, quoi, est très, très, très quali. Ça, assez épaté. Alors, chez les enfants, j'ai voulu acheter des vêtements aussi pour mon fils, le deuxième, qui est en taille 7-8 ans. Et j'ai voulu lui acheter un jean. Mais quand je vois le jean, je me dis, oh là là, mais qu'est-ce que j'ai pas fait? Il a vraiment une forme bizarre en vrai. Et ça, c'est le problème, c'est quand on voit pas en vrai les choses. Je trouve, sur le mannequin, ça rendait pas pareil, quoi. Et là, c'est pas terrible. En plus, il est extrêmement grand. Pourtant... Je pense avoir pris du 7-8 ans, hein, et là on a l'impression que c'est du 12 ans quoi. Non, c'est censé bien, c'est bien du 8 ans, je vous mens pas. Mais là comme ça, je vous jure, j'ai vraiment l'impression que c'est plus que du 8 ans.
Donc bon, il va essayer, mais je suis pas conquise par cette forme. Elle est assez bizarre, je trouve. Et puis encore une fois, c'est du noir, mais un peu grisé. Je suis pas fan. Alors ça, j'ai pris une sorte de body pour ma fille, pour la danse. En danse, elle met un body de danse. Je me suis dit, pourquoi on aurait peut-être le droit de mettre un body différent, noir, mais avec les bras un peu comme ça, ajourés avec des petits poids. Je me suis dit, pourquoi pas, et ça se resserre au niveau de la manche. C'est un body qui peut s'enlever par le bas, du coup, plus pratique peut-être pour elle, pour aller aux toilettes, tout ça. Alors que son body de danse qu'elle a, il s'enlève pas par le bas et c'est pas pratique. Le col, en plus, il est plutôt pas mal. Donc écoutez, je verrai avec la prof de danse si elle a le droit de le mettre, mais je le trouvais très très beau. Pour le jour de l'an, je lui avais pris ça, mais au final on l'a pas mis parce qu'elle a mis une autre robe pour le jour de l'an et j'avais pas pu filmer cette vidéo, j'ai complètement zappé la robe. Elle avait pris une robe comme ça, complètement plein d'étoiles. Alors je vous avoue qu'en photo, elle avait l'air beaucoup mieux que là en vrai. En vrai, elle fait vraiment fausse quoi, pas très très bonne qualité. Écoutez, faut voir sur elle ce que ça va rendre. En tout cas, elle a adoré le style, un peu style, comment ça s'appelle ici, j'ai un trou de mémoire. Vous savez là, au niveau de la poitrine, je sais pas ce que ça va rendre d'ailleurs au niveau de la poitrine, en espérant que ça soit pas trop grand, et sinon bah, ça lui servira l'année prochaine, hein, c'est pas perdu, puisque j'avais pris une grande taille. C'est du 11-12 ans, hein, donc j'avais vu un peu grand, mais pareil, elle n'a pas l'air hyper hyper longue, mais elle a l'air large au niveau du haut pour elle, donc on verra ce que ça donnera, mais je ne suis pas hyper fan de la qualité, c'est vraiment en mode matière un petit peu synthétique quoi, mais bon pour une soirée ça peut le faire. On a quoi d'autre? Ça c'est encore pour ma fille, je lui ai pris un ensemble parce que j'aime bien sur Shein les petits ensembles pour les filles avec jupe et haut. Donc dans l'ensemble il y avait un petit haut comme ça, noir, col roulé, assez basique, et vous le rentrez dans la jupe. Et voici la petite jupette un peu avec le motif comme ça, j'aimais trop l'ensemble, je pense que ça va être trop trop canon sur elle, elle va être trop trop belle. Alors là je vois que j'ai un jogging, hein, est-ce que c'est ça? Est-ce que oui, c'est un ensemble de jogging pour mon fils, un ensemble avec le haut comme ça noir avec des triangles. J'ai bien aimé la petite touche comme ça du cerf là, je trouve ça sympa. La qualité est pas mal, c'est du 8 ans et le pantalon a l'air grand. Les pantalons en 8 ans ont l'air gigantesques et les hauts ont l'air bien. Donc le pantalon de jogging comme ça, toujours avec la petite touche là, le petit cerf, les petites cornes. Il y a des poches, la qualité est bien de ce pantalon mais ça fait pas de jogging, attention. Ça fait vraiment jogging mais synthétique. Vraiment je ressors ce mot là mais ça fait jogging synthétique. Mais on voit quand même que c'est de la belle qualité quand même. C'est pas le truc où il va être lavé et il va être pourri au bout de deux lavages. Là quand même c'est une meilleure matière que ce que j'ai connu chez les enfants, donc il est très beau quand même. Et toujours en 8 ans, j'ai pris pour l'hiver un petit pull, bah à la base c'était un d'hiver ou de Noël, hein, un petit pull comme ça pour mon grand aussi, et il est trop beau. Ça en revanche, la qualité des pulls en laine est vraiment magnifique, hein. Je les trouve canon. Vraiment les pulls en laine, je les trouve trop 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 beaux, il est vraiment superbe. Oh oui, j'avais pris un pyjama pilou pilou pour mon fils. Alors ça c'est pas rassurant quand on voit les grosses étiquettes, gardez loin du feu, parce que c'est une matière un peu pilou pilou et j'imagine que ça brûle direct. Donc ça c'est pour mon fils aussi, je crois que c'est en 8 ans. Donc le bas pilou pilou comme ça, et, alors, et le voici, donc assez basique, hein, avec écrit good luck, mais c'était le côté un peu pilou pilou qui va lui plaire, hein, ça il va beaucoup aimer. Ouais ça c'est très sympa, la matière est un pilou pilou très agréable. J'ai pris un deuxième ensemble de jogging, mais version un peu football américain pour mon grand. Et le voici, donc il y a écrit Brooklyn. Et sur les bras, vous avez les fameux ballons de football américain. Il est blanc et gris. Il est pas mal. C'est une matière, encore une fois, très synthétique qui va soit tenir très chaud parce que vous allez transpirer vite dedans. C'est pas la meilleure matière, je trouve, pour faire du sport. Mais il est pas mal, hein, ça va passer. Et le pantalon, il est gris foncé comme ça, avec des poches, et il a l'air grand aussi, encore une fois c'est du 8 ans, mais le 8 ans a l'air grand. Après c'est peut-être moi qui veux des fringues trop petites pour mon fils, de toute façon il va essayer, vous verrez sur les images, j'espère juste que ça va lui aller. Il nous reste 3 articles, un autre pull pour mon fils, j'ai beaucoup pris de vêtements pour mon grand, enfin mon deuxième enfant, donc c'est mon fils de 5 ans,
Il a que 5 ans, il va avoir 6 ans bientôt, mais il met du 7-8 ans et il a pas beaucoup de fringues lui malheureusement, alors que le dernier il a pas mal de fringues parce qu'il récupère quelques vêtements de son frère et ma copine Laetitia me donne beaucoup de vêtements aussi, donc il a de quoi faire. Donc là j'ai vraiment favorisé mon grand parce que je voulais lui prendre quelques petites choses et je lui ai pris un pull en laine comme ça avec la petite poche ici, col roulé. Voilà, ça reste du basique, mais ça c'est des pulls qui vont servir pendant l'hiver sans problème. Et un dernier ensemble qui n'est pas pour mes enfants. J'ai voulu le prendre pour ma fille, mais il n'y avait pas sa taille. En tout cas, je suis contente, ça va être pour ma petite Victoire, la sœur de Luna, que vous avez déjà vue dans les vidéos Shein, sur ma chaîne plusieurs fois. Donc voilà pour la sélection du jour, que ce soit pour moi ou mes enfants. Vous me direz ce que vous en pensez. Vous me direz votre ressenti par rapport aux essayages. Vous me direz s'il y a eu des coups de cœur. Moi, de toute façon, je vous aurais mis à chaque fois les essayages, les annotations. Je vous remettrai ici les deux pièces coup de cœur que j'ai eues pour moi. Et si vraiment j'ai envie de continuer ou pas cette collaboration, est-ce que j'ai envie de continuer de tester les articles sur Shein? Pour cela, pour savoir ma décision finale, je vais d'abord lire tous vos commentaires. J'attends vraiment tous vos commentaires pour savoir ce que vous en pensez. Et je vous en reparlerai, je pense, dans une prochaine vidéo, si je continue ou pas les vidéos Shein, si je continue cette collaboration. En tout cas, aujourd'hui, mon ressenti, là j'ai pas encore essayé les vêtements au moment où je vous fais le bilan, mais le ressenti c'est que les articles me plaisent quand même pas mal, que ce soit pour moi ou mes enfants. Il y a des jolies pièces, il y a de quoi se faire plaisir, il y a de quoi s'habiller, il y a de quoi vraiment avoir chaud cet hiver avec des beaux pulls. Donc pour l'instant je suis assez conquise. Je vous laisserai maintenant avec peut-être deux looks que j'aurais réalisé avec la sélection de Sarah. Donc un premier look qui peut être peut-être un peu plus sophistiqué, un peu plus pour la sortir, et un deuxième look un petit peu plus basique, casual, pour rester à la maison, pour aller juste travailler avec un petit pull en laine. Voilà, vous aurez différents looks. Vous me direz en tout cas dans les commentaires ce que vous pensez, ce que vous avez trouvé. Comment vous avez trouvé cette sélection. Et j'ai hâte de vous lire. J'ai hâte de vous lire. En attendant, n'oubliez pas de liker cette vidéo avant de partir. Et de me laisser votre petit commentaire. Et je vous embrasse très très fort. Salut salut.